Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, promesse pour ce 15 mai. Se faire une promesse à soi-même, la tenir et repousser ainsi ses propres limites. Aujourd'hui, j'ai pigé mains et poings liés. Il y a peut-être un manque de mouvement ou de sentiment de ne pas être libre chez certains d'entre vous. Alors, cette carte, eh bien, bon, elle dit bien ce que ça veut dire, mains et poings liés. Eh bien, vous avez des difficultés. Et cette carte, elle représente peut-être que vous... Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où les choses semblent eh bien, être très 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 enlisant. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Que ce soit au point de vue sentimental, au point de vue professionnel, au point de vue familial ou au point de vue personnel, n'est-ce pas? Vous seul savez ce que vous vivez. Alors, où vous êtes retenu, peut-être par des détails techniques. Dans votre avancement, il y a des détails qui stagnent. Vous attendez peut-être, eh bien, qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue, que ça soit pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'une voiture ou d'un terrain. Un contrat signé, ça peut être un contrat de travail, n'est-ce pas, au point de vue professionnel. Contrat signé, ça peut être aussi un contrat entre votre partenaire. Hein. Peu importe, n'est-ce pas, ce qui retarde les choses. La situation pourrait vous sembler très contraignante en tous les cas si vous vivez présentement cette problématique. Alors si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Il serait peut-être bon d'examiner votre vie. Et peut-être de voir comment eh bien, vous pouvez être votre propre geôlier. Est-ce que vraiment vous êtes ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que vous piétinez? Alors, si c'est le cas, il est temps. Il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. En fait, il est temps de faire un lâcher-prise, de couper les liens que vous avez dans n'importe quel domaine, parce que ça ne vous fait pas avancer. Vous n'êtes pas obligé de vivre, eh bien, dans la prison que vous avez vous-même construite, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, c'est vous qui vous êtes mis dans cette prison. Ce ne sont pas les autres. C'est parce que vous avez décidé. Je dis toujours, quand on prend des décisions, on ne vous met pas un couteau sous la gorge pour que vous preniez cette décision qui est une décision négative. C'est vous seul. Vous êtes responsable de vos actes, de vos pensées et de vos décisions. Donc voyez un petit peu qu'est-ce qui fait que vous avez les mains et poings liés dans n'importe quel domaine, n'est-ce pas? C'est à vous de voir ce que vous vivez présentement. Dans le domaine, ça peut être encore une fois sentimental, professionnel, familial, personnel, etc. Alors on va faire l'affirmation pour cette journée. Eh bien, je vais vraiment, vraiment faire en sorte
de me libérer de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Les énergies de cette carte. Et maintenant, message de ton âme. Oser. Eh bien voilà, quelle belle synchronicité. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oser. Oser sortir de sa zone de confort. Voilà le message de ton âme pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message pour les nouvelles énergies. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à demain et je vous embrasse. À demain.